Aujourd'hui, on a rencontré les 9 femmes qui vont faire partie du recueil L'ego de l'infertilité. C'est des femmes qui ont pu aujourd'hui exprimer leurs émotions, aller chercher encore plus loin dans leurs écrits. Je crois que le mot qui est le plus marquant dans un parcours de fertilité, c'est qu'on se sent tout le temps seul, malgré que notre partenaire peut être avec nous, malgré qu'on peut avoir de la famille et des amis. De savoir aussi qu'on a un entourage qui comprend, qui vit les mêmes émotions que nous. On a vraiment pu comprendre les histoires des autres et aussi voir la personnalité de chacune à travers ça, puis comment la force en est ressortie. Chaque chapitre devient l'histoire de chaque femme.